Annihilateur, ils viennent chercher Freeze. Il nous faut toutes les unités disponibles. Je répète, Nous avons peu de temps. Prenez le drone. Vous rejoindrez la prison plus vite. Les régulateurs se sont introduits dans le périmètre de la prison et se dirigent vers la cellule de Freeze. Les gardes ne sont pas assez nombreux. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. La cavalerie est arrivée. Écartez-vous, je tire! Ne me dis pas que t'as eu ton diplôme de criminel. Ils ont vite neutralisé les gardes. Beffroi, où on en est avec Freeze? Toujours en cellule, mais les régulateurs se rapprochent de sa position. Il faut bouger. Surprise! Ouais, j'ai vu. Je l'ai joué à la prise. Tu m'emmerdes, je te congèle. Espèce de Camelot! J'aurais dû prendre la scie avec moi! Dors bien. Ça.
Je dois voir la cellule de Freeze. Vous pouvez m'ouvrir ? Je ne pense pas. Ils ont dit que le scanner ne marcherait pas sans ses empreintes. Même si j'étais pas coincé là, je vous aiderais pas. Bon, on passe au plan B. Si je trouve quelque chose que le garde a touché, je pourrais recréer son empreinte. Mais comment savoir où il est allé ? Cette empreinte de botte correspond à un uniforme de Blackgate. Si je l'isole, je peux voir où elle mène. Beffroi, j'ai trouvé deux survivants. L'un d'eux est piégé dans la glace et a besoin d'aide. Compris. Je vais dire à Montoya où les trouver.
Ouais, c'est une empreinte. J'ai une empreinte partielle. Parfait. Ça devrait le faire. Dis rien de bon. Les régulateurs sont déterminés. Beffroi, Freeze est parti. Il y a beaucoup d'équipement médical ici. Il doit toujours récupérer de votre rencontre au centre Elliott. Vous devriez pouvoir le rattraper. Je suis dessus. Freeze est dans son robot. Tous au point d'ébattre. Vite! Un robot? Quel robot? C'est nul. Besoin de renfort dans la cour. Je répète, besoin de renfort. Frida. Allons donc à la cour. T'en viens pas, justement ? Thank you.
C'est quoi ce bordel? Comme je te l'ai déjà pourtant dit, il aurait mieux valu me laisser mourir. Maintenant, rien ne pourra plus arrêter ce qui vient. Oh.
lâcherai ton sang. Freeze, vous êtes à court d'hommes, d'argent, de cryogèle, de tout. J'étais... Je voulais que ce soit ma plus grande création. À s'approcher trop près du soleil, on se brûle les ailes. Je préfère mourir en sachant qui je suis, plutôt que de vivre un mensonge. C'est le bon moment pour partir. Le bat drone est en approche pour vous ramener. Remets-moi dans ma cellule s'il le faut. Content de vous voir en un seul morceau, cette fois. Les autorités ont donné des sur toi dans un tunnel connu sous le nom de Mr. Freeze. Freeze s'est évadé de la prison de Blackgate avec l'aide d'une nouvelle tenue qui ressemblerait à une araignée. Il a été appréhendé par les autorités après un combat impressionnant auquel au moins un justicier aurait participé. Malgré de nombreux signalements contradictoires, GCN a confirmé que Batman ne faisait pas partie des justiciers présents. Son absence persiste malgré la nette augmentation des crimes. Il est à présent détenu dans une cellule de haute sécurité à Blackgate, où il attend d'être jugé pour de nombreux crimes fédéraux et d'État. Ici Nour Rachid pour GCN.
Vous savez, Freeze est le premier ennemi que j'ai affronté en tant que robot. Il avait encore un peu d'humanité à l'époque. Gotham a tendance à transformer les gens en monstres. On le voit partout aujourd'hui. Donc, ces pilules ont été prescrites par un docteur que personne ne connaît. D'autres pistes ? Le site web du mystérieux Dr. Q semble avoir disparu, mais nous poursuivons les recherches. J'ai pas réussi à trouver de preuves qui pourraient impliquer Harley. Mais je sais que c'est elle. Qu'est-ce qu'elle prépare ? N'est-ce pas toujours la question avec le Dr. Quinzel ? Dites-moi quand vous trouvez quelque chose, Alfred. Bien sûr. Je n'aimais pas la personne que j'étais. Mais maintenant, je suis libre. Vous pouvez l'être aussi. Hé, hey, venez voir un peu ça. Dick, c'est à l'envers. Je m'en occupe. Harley est une psychiatre. Pourquoi est-ce qu'elle vend des bracelets magiques? Des compléments? C'est quoi un œuf Karmalux ? Mais qui achète ces saloperies ? Elle sait que ces trucs ne fonctionnent pas. Alors, c'est quoi son but ? Que la majorité des gens de Gotham voient ou commettent des crimes chaque mois. Enfin, statistiquement parlant. C'est quoi le rapport avec le reste ? Elle leur vend de l'espoir. Oh merde. Rendez-vous ce soir au Monarque. J'ai une annonce tout simplement détonnante, rien que pour vous. Je crois qu'il faut prendre ça au pied de la lettre.